Bonsoir, bonsoir les amis, je suis revenu. Je vais vous faire une petite vidéo sur les vitamines du lapin. Vous voyez ça, c'est olivitazole. Ça, c'est une vitamine. Si vous voulez, vous pouvez même lire vitamine, acide aminé, oligo-éléments, poudre, voie orale. Ici, vous pouvez voir les animaux. Ouais, c'est le coq, le lapin, le bélier, le bouc, le porc, la vache, le bœuf et le cheval. Ça, c'est une sachet de 15 grammes. Vous pouvez même constater. C'est une vitamine de lapin qui donne du croissance au lapin adulte et au lapin jeune. Ça, on ne donne pas ça à un lapin, à une lapérouine, non. Ça, ce sont spécialement pour les jeunes et les adultes. Vous pouvez voir même ici, vous voyez, adultes, vous voyez, bovins, équins par animal. Adultes, 30 grammes, deux sachets de. C'est deux sachets, vous pouvez voir. Les deux sachets, ça, vous prenez sachet de 15 grammes, vous prenez deux et vous donnez au lapin. Vous voyez, non. C'est bon, hein. Les adultes prennent 30 grammes, deux sachets. Les jeunes prennent 15 grammes, un sachet. Vous pouvez voir ça. Et la vitamine A, vitamine D3, vitamine E, vitamine B1, chlorhydrate, vitamine B2, phosphate, vitamine B6, phosphidrate, vitamine PP, vitamine C. C'est efficace, hein. C'est bon, c'est très bon pour le lapin. Vous pouvez constater ça aussi. Ça, c'est bon. C'est une vitamine à croissance et c'est bon. J'espère que c'est un conseil pour vous. Vous pouvez donner ça à vos lapins. Ouais. Je ferai une autre vidéo sur comment utiliser ça, comment dissoudre ça dans l'eau pour les lapins et pour qu'ils se boivent. J'espère que vous devez passer une bonne soirée. Hein. Ok, au revoir. Ciao.